Alors, une petite vidéo. Oups, voilà. Pour vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Il y a Fifi qui commence à faire son bordel. voilà. Parce que je me suis abonnée à une nouvelle. Ce qu'on voit souvent, en ce moment pas mal au niveau des. À la publicité, je vais réussir à le dire. C'est tricot et point créatif. Voilà. Donc c'est celui-là. Oui. Donc moi je m'étais déjà abonnée aux autres, mon tricot facile ou mon tricot créatif aussi. Il y avait mon crochet créatif aussi, ou je sais plus exactement le nom. Bon, j'avais arrêté pendant un moment. Mais celui-là, je choisis de le prendre. Parce que déjà, les laines qu'ils mettent me paraissent jolies. Ça change de ce qu'ils mettaient avant. Les couleurs sont pas flashy comme ils mettaient d'habitude. Puis bon, c'est pas la même société. Là, je sais pas ce que c'est comme la société. Alors, ça vient de, je vais vous dire, si je trouve. Alors, c'est créé à loisir, mais c'est quelle société je ne sais pas. Ça vient d'Espagne, je crois. Oui. Je crois que ça vient d'Espagne. Mais bon, c'est distribué en France, hein, bien sûr. Donc là, moi, ce matin, j'ai reçu les trois premiers numéros, puisque je me suis abonnée. Donc, j'ai reçu le numéro 1. Donc, avec, j'ai déjà eu casseur avec le numéro 3. Donc, j'ai reçu le numéro 1. Voilà. Le numéro 2. Et le numéro 3. Donc, il va falloir, c'est comme les autres, hein, bien sûr, tricoter ce plaid. Voilà. Vous voyez qu'il est en des couleurs beaucoup plus tendres, plus jolies que les autres. Les autres, c'était du vert, du jaune, du rouge, tout ça. Et là, par contre, les couleurs me plaisent beaucoup. Donc, on verra. Donc là, j'ai déjà tricoté le premier carré ce soir. Vous voyez. Donc, le premier, c'était le point mousse. Hein. De toute façon, on commence toujours par le point mousse. Vous voyez, voilà. Donc, c'est des carrés de 12 sur 12 cm. Donc, ça va vite à tricoter. Hein. Le soir, on a vite fait de le faire. Donc, c'était fait avec celle-ci. Voilà, donc celle-là c'était la provenance Graniti, c'était la couleur. Et donc j'ai eu cela de pelote avec. Donc j'ai un gris chiné comme ceci. Donc c'est Harmonie Basalte. J'ai un rose, un vieux rose comme ça. Alors celui-là, ça s'appelle Antique Clestone. Voilà. Donc c'est des petites pelotes, hein, bien sûr. C'est des pelotes qui font combien de grammes 25 grammes. Là, j'ai une pelote bouclette. Grisaille Moss. Et j'ai deux blanches. Alors, Harmonie Moonstone. Ah non, c'est pas de blanche. Avec la lumière du soir, c'est pas tout à fait les mêmes. Alors, il y a une Harmonie Moonstone, celle-là. Oui, effectivement, là, peut-être on voit la différence. Et celle-ci, c'est Provenance Albit. Voilà. Donc, oui, il y a peut-être une petite différence de couleur. Vous voyez.
Donc j'ai eu ces pelotes là avec. Donc j'ai eu le classeur et j'ai eu cette pochette en cadeau avec dedans. Donc c'est une pochette pour ranger les aiguilles. Donc en cadeau dans la pochette, il y avait celle-ci, une aiguille à torsade, il y avait deux crochets et ces deux paires d'aiguilles. Et avec chaque numéro, il y avait une paire d'aiguilles. Voilà. Mais bon, c'est des aiguilles que moi je ne me sers pour ainsi dire pas parce qu'elles sont courtes et je ne sais pas bien tricoter avec des aiguilles courtes. Donc, mais bon, je les ai, elles me serviront un peu. Hein. Puis même les crochets, l'aiguille à torsade, tout ça me serviront quand même. Mais là, j'aime bien parce que là, pour le coup, on a eu vraiment une très belle pochette rigide. Donc, ça vaut le coup. Donc, voilà. Et je refermerai après. Et donc, dans le classeur, bon, la prochaine fois, je vais avoir les intercalaires, donc je pourrai les ranger. Et là, bon, donc on a les explications pour faire les carrés du plaid. Et après, vous avez aussi les explications ben, pour faire des. Pour celles qui ne connaissent pas, voyez, par exemple, pour faire des bonnets. Là, par exemple, pour faire un sac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un pouf. Voilà. Des chaussons de bébé. Après, il y a les explications. Par exemple, vous voyez, on explique. Bon, ça, je sais faire, mais pour celles qui commenceraient le tricot, c'est pas mal. Pour comment faire des pompons. Après, il y a le béaba du tricot. Par exemple, comment lire un patron. Commencer, voilà, le béaba du tricot. Comment commencer son tricot. Voilà. Donc, c'est bien, c'est vraiment pas mal. Bon, moi, là, les béaba, ça ne me sert pas à grand-chose, hein, puisque je sais tricoter. Mais les modèles, le plaid, tout ça. Vous voyez, dans le numéro 2, on a encore un coussin. Le modèle d'un coussin à fer. Là, un petit agneau, par exemple. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Ils expliquent aussi comment repasser son ouvrage, donc en le bloquant sur avec des aiguilles pour pouvoir bien le repasser avant de le... De le coudre par exemple. Donc là les prochains carrés, donc là je vous ai montré c'est un carré de mousse. Le prochain je vais faire un carré en point jersey, bon ça c'est très simple aussi. Après je vais faire un carré en jersey en vert. Après, je vais encore en faire un en jersey, mais avec cette laine-là. Voilà. Après, je devrais en faire un en... Alors, en côte 3-1 et en point de riz double. Voilà. Bon, c'est tous des points que, pour l'instant, je connais, mais... que là que j'aime beaucoup. Vous voyez, on voit des exemples de points qu'on va devoir faire. Par exemple, là, il y en aura un avec des petits pompons. Voilà. Donc moi, j'aime bien. Voilà. Donc, bah, je pense que peut-être au fur et à mesure, je vous montrerai les carrés que je ferai. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Hein. C'est le point mousse. C'est plutôt, c'est le béaba. Hein. C'est le tout simple. Mais ça, bon. Il faut bien qu'il nous fasse commencer par quelque chose, hein, malgré que je sais tricoter, hein, ça c'est pas un souci. Voilà. Donc, mais je voulais vous présenter cette collection pour celles qui ne la connaissent pas, si vous la voyez à la télé et puis que vous ne saviez pas ce que c'était exactement. Voilà, je voulais vous la présenter.
Donc, je pense que, bon, là, comme moi, je suis abonnée, je vais recevoir un envoi une fois par mois. Voilà. Ils vont m'envoyer 4 revues par mois. Donc, je ne vous ferai pas, je ne présenterai pas les revues toutes les semaines. Mais je vous les présenterai une fois par mois. Et je vous montrerai donc les carrés, soit les carrés toutes les semaines, ou alors je vous montrerai tous les carrés que j'aurai tricotés en même temps que j'aurai reçu les revues. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Bah, comme je vous avais dit, je vous ai promis une petite vidéo ce week-end, parce que ça n'a rien à voir avec le scrap, hein, pour une fois. Mais ça me permettait de vous dire, de vous faire un petit bisou. Et de vous faire un petit bonsoir parce que là il est 22 h. Donc, et puis de toute façon, après je vais aller faire dodo parce qu'aujourd'hui j'ai très mal à la tête. J'avais très mal à la tête ce midi, j'ai pris un cachet, puis là j'ai dû reprendre des cachets parce que j'ai encore très mal à la tête ce soir. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et je suis, pardon, fatiguée. Voilà. Bon, ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si ça vous intéresse, hein, que je vous fais une petite revue chaque mois là-dessus. Je pense que c'est ce que je ferai une revue tous les mois sur l'avancée du plaid et des revues que je recevrai tous les mois. Voilà. Allez, je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, pour de nouvelles aventures. Et demain, c'est dimanche, donc je ne sais pas si je vous ferai une vidéo. Mais sinon, on se retrouvera lundi, certainement, pour une autre vidéo. Mais sur quoi, je ne sais pas. Ce sera la surprise. Allez. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Bon week-end à tous.